Mais au-delà de ça, les joueurs de Mars, force à vous, hein, franchement, en tant que personne, je ne critique absolument pas. Mais en tant que joueur, on n'est pas ensemble. Pas de jugement, mais cringe. Un peu cringe. Non, en vrai, c'est marrant, je suis assez d'accord avec toi pour Mars, alors que par contre, moi, j'adore les honneurs. Vraiment, je trouve que c'est... Oh. Mais je sens, à contre-pied de ce que tu dis, j'aime beaucoup les honneurs parce que c'est des gens qui jouent au jeu de combat et qui se disent « Bah écoute, moi, je vais avoir la philosophie inverse du jeu de combat, où je vais pas venir ici me bagarrer, je vais fermer le jeu et je vais empêcher le mec en face de s'amuser. » Et moi, ça me procure beaucoup de plaisir. Oh, mais quelle enfoirée. Non, mais ça, c'est des persos que tu aimes jouer. Oui, bien sûr. Mais voilà, mais si tu tombes contre un zoneur, du coup, qu'est-ce que vous faites aussi. Mais on se regarde et on est là, on est mort de rire, on est en mode « Ah ouais, tu joues pas ?» Bah non, moi non plus. Non mais voilà, mais du coup, vous vous tapez pas, c'est pas drôle. Il faut se taper dans la vie. Mais non. Aïe, aïe, aïe. Non mais ouais, mais de toute façon... Un grand sage a dit un jour... Vas-y. Bourré, c'est tricher, time out, c'est stylé. Qui a dit ça? C'est STMG sur Smash 4 à Paris. STMG, c'est pas pour rien qu'on a appelé une formation non, comme non, ça. Non, hein. Non, non, mais vraiment, je vais pas vous mentir. La citation est incroyable. Hein. Franchement, ça aurait pu être Sun Tzu ou Gandhi, je l'aurais prise aussi. Hein. Allez, en tout cas, c'est parti. Loli face à Shabs, du coup, BO3, on le rappelle. Pokémon Stadium pour commencer. Premier match de ce tournoi Excalibur 3. Et là, évidemment, on va pas se mentir. Hein. Le match-up, déjà, tu vas pas aimer ta vie. Mais en fait, les deux n'aiment pas vraiment leur vie, mais alors là, Falco, je pense qu'il est pas content, surtout t'es dans ton premier match, faut le temps de se chauffer un petit peu, on voit ça rate quelques trucs là pour le moment. Évidemment, on a comme eu un petit warm-up, mais il faut le temps de rentrer dans son tournoi, voilà, par exemple, on voit des petits forward smash comme ça, c'est bien puni, c'est assez joli là, ce qui nous fait quand même Shabs. J'en parlais à Nova hier, je t'assure qu'un bon Mars, voilà, c'est un Mars qui sait faire des F-Smash. Tous les anciens de Melee, ils ont cette capacité de te foutre des F-Smash à volo. C'est Ken à l'époque gagnait grâce à ça. Aizen gagnait grâce à ça. Pourquoi pas en 2022 ça pourrait marcher? Parce que t'as évolué en fait. Non, ça marche toujours. Moi, je te jure, ça marche toujours. Regarde, là il va attendre que ça arrive. Voilà, tu vois. Et ça n'a peut-être pas touché, mais il a eu la volonté, tu vois. Lui donnez pas raison, s'il vous plaît. Bon, du coup, Loli qui prend un petit lead hein, pour commencer, mais léger. On va voir ce qui se passe. Là, il faudrait que Shabs réussisse à prendre la stock assez rapidement. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser? Ok. Voilà, c'est très joliment fait. C'est bon, on repart à une stock prise de chaque côté. On essaie de prendre un petit peu plus d'espace côté Shabs, mais Loli, vraiment, il n'a pas du tout envie de le laisser faire. Hein. On voit qu'il rentre vraiment dans sa zone en permanence. Il ne va pas du tout laisser prendre de l'espace à Falco parce qu'on n'a pas du tout envie de le laisser instaurer son jeu de laser. Et là on voit, Shabs qui réussit un petit peu pour se dicter le rythme. Et là d'un coup on sent que c'est compliqué. Hein. Waouh, ouais, j'avoue, il a des bonnes petites phases là quand même. Là ça me fait grave plaisir. Et le Mars qui arrive pas forcément à s'exprimer par rapport à ça. Et voilà, il attend simplement qu'il arrive à lui. Le meilleur grab du jeu évidemment. Et derrière, hein, voilà, F-Smash, on n'oublie pas. Hein. F-Smash, on va pouvoir les compter si vous voulez. Hein, parce que je vous assure que ce Mars est en train de me faire plaisir. Et de me faire mentir en me disant que les Mars sont embêtants. Regarde, il a tout compris. Voilà mon gars, c'est ça. Je te l'avais dit, F-Smash, ça marche toujours en 2022, mon gars. Il est trop tôt pour poter sur F-Smash, non, c'est bon, c'est bon. Calme. Oh mon gars, oh ça y est, ce Mars est en train de me donner énormément de plaisir. Le gars, il voit des forward smash, il est... J'en ai marre, j'ai une journée complète. Ah. Bon. Mais tu vois, ce qui est intéressant par contre, c'est que Shabs, ses phases, elles sont beaucoup plus courtes que celles de Loli. Alors ses phases d'avantage durent beaucoup moins longtemps, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait beaucoup plus de retard. Bon là, c'est en train de partir, voilà, bon, ok. Mais Loli, vraiment, il est beaucoup plus décisif en fait sur ses punitions et sur ses phases d'avantage. Il fait beaucoup plus de dégâts pour le moment, on voit à chaque fois là, ça continue. Et Shabs, il y a des moments où il arrive un petit peu à restaurer son jeu, mais c'est un peu court. Faudrait qu'il arrive à étendre plus pour réussir à s'en sortir, parce que là, ça me paraît très très compliqué pour la suite de la game. Là. Et... Ouais, dommage, hein, là au niveau des tech chase, là on n'était pas forcément plus aguerri. Il aime bien utiliser ses neutrales air, hein, vraiment plusieurs fois là-dessus. Et on a encore voulu F-Smash, hein, tu vois. À force de vouloir peut-être me donner un peu trop de plaisir, peut-être que là il est en train de se fourvoyer parce que là, le combo qui vient de lui mettre pour rattraper tellement de pourcentage. F-Smash de nouveau, là ça c'est whiffé, c'est dommage. Mais là, avec la bonne continuité, il faut au moins concrétiser cette stock après tout. Et voilà, on nous a prévenu, c'est une chose qui allait arriver. C'est les joueurs. Chaud, il se suicide beaucoup en EVL. Voilà, c'est ça. Allez, bah écoute. Allez. Ah, c'est dommage parce que là, vraiment, la phase qu'il avait mis juste avant, elle était stylée. Ouais, il y avait un truc, hein, faut qu'il arrive à choper une ou deux ouvertures en plus comme ça. Et il y a clairement match, alors que c'est un petit peu l'outsider hein, quand même dans la rencontre. Selon ce qu'on a vu du signing. En tout cas, là, on part sur Battlefield, ça devrait quand même mieux se passer. Et pour le moment, on est là.
On est complètement là. Ah, dommage. C'est un Falco du d'un air. Hein. Vraiment, ses combos, il aime bien hein, faire les pilars et autres. Et continuer là-dessus. Double pilar. Et la stock qui est prise. Chabs là-dessus qui est en train de partir sur les chapeaux de roue. Hein, vraiment sur cette deuxième manche. J'aime beaucoup ce qu'il fait hein, quand même. Parce que là, franchement, ses phases d'avantage, elles sont pas forcément nombreuses. Mais dès qu'il arrive à les concrétiser, là, j'ai l'impression que vraiment, ça peut faire mal. Surtout ouais, avec la triplateforme. Parce que là, regarde. Ah, on a voulu y aller avec ce dernier. C'est pas terminé. Hein. Par contre, avec peut-être. Non, ses pourcentages. Non, malheureusement, ça s'arrêtera avec ce grab. Et encore une fois, le neutral air qu'il utilise énormément. C'est dommage parce que forcément, t'as pas de grosse continuité derrière neutral air. Ça va envoyer relativement loin en général. Mais il préfère ça parce que voilà, justement, c'est sur ses phases d'edge qu'en général, elle va pouvoir jouer là-dessus. Et là, la stock, elle est violente. Hein, vraiment, ce F-Smash, encore une fois. Je vais plus pop-off dessus, peut-être. Mais en tout cas, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, c'est beaucoup mieux là ce qu'il est en train de nous proposer, Chavs. On a beaucoup plus de phases. Attention, là on a Loli qui est quand même en train de vraiment rentrer dans son match. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, ça concrétise mieux, ça met plus de dégâts. Et c'est vraiment de ça dont on va avoir besoin pour réussir à égaliser ici. On rappelle, on est en BO3, donc on n'a pas beaucoup de temps hein, pour rentrer dans le match. Ouf, le Force Smash qui était complètement piffé dans le shield, ça va être légèrement puni, ça normalement. Ça va, on s'en sort pas si mal. Allez, on essaie de reprendre un petit peu son souffle. Là. On voit les petites dash dance hein, pour se remettre un petit peu, garder le rythme, respirer un petit peu, réfléchir très rapidement, se donner 3 secondes pour se dire bon, allez, qu'est-ce que je fais. Ça sert à ça aussi hein, de pouvoir bouger très très bien sur le stage. Et là, on a une petite stock d'avance. Ça serait bien de réussir à gratter quelques dégâts. Loli qui est en train de fermer le jeu là. Ouais, il est en train de fermer le jeu, mais là, c'est peut-être qu'il va se fourvoyer à vouloir peut-être jouer trop défensif. Parce que là, de toute façon, il a quand même sa stock de retard, peut-être là sur cette phase d'edge guard. Si jamais on arrive à la concrétiser, ouais, on n'avait plus de saut, hein, de toute façon, il n'y aura pas de quoi remonter. La très belle phase hein, quand même de la part de Loli, hein, le jeu défensif qui aura eu raison. On a envie hein, de flex un petit peu en faisant des petits ledge cancel. Et attends, tranquillement, c'est peut-être que Chabs veut trop chercher le corps à corps en fait. C'est dommage parce que là, vraiment, il est en train à chaque fois de peut-être trop vouloir se donner à rentrer en fait dans la zone de confort de Mars, à savoir sa zone de grab. Par contre, dès qu'il arrive à concrétiser justement sur un opener, il fait extrêmement mal. Regarde dans justement cette phase là. Et là, en plus, avec ce back air en cover, c'est très bien vu. Et là, 2 stocks à 1, il fait le taf quand même, Chabs. Non, mais il fait vraiment le taf. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est deux joueurs qui ont un gameplay très différent. Ouais. Loli, c'est bien plus constant, ça rate beaucoup moins de choses, ça reste sur des basiques. Et voilà, et Chabs, il est là, il est en mode bon, moi j'ai pas pris Falco pour jouer genre de l'académie. On va faire des bons combos bien de chez nous. Mais les shine pressure qu'il fait, ça me fume hein, vraiment à quel point il est en train de lui mettre une pression encore à corps. Et le Mars, il n'a pas forcément de réponse là-dessus. Dédicace Baku, mon gars. Avec là quand même ce F-Smash, trop loin, malheureusement il remontera pas. Ouais, monopole en plus là-dessus. 86%, ça peut remonter hein, quand même si jamais il arrive à être assez solide. Mais attention, hein, encore une fois, tu vois, regarde ces chaînes pressure qui sont très très bons. Avec ses down air dans ce match, malheureusement qui connectera pas. Et on va continuer de tourner autour de Smash, mais oh par contre, non, oh non. Mais non, oh pas non comme ça. Mais non, pas comme ça. Ah, il s'est mis volontairement en situation de désavantage près du ledge. Non. Et forcément là-dessus, les petites touches comme ça.